C'est bon? Quand tu veux. Quand tu veux. C'est quoi là? Alors, le mot trans, qu'est-ce que c'est? Le mot trans, c'est quoi? Et comment on l'utilise? Le terme trans est un terme parapluie, dans la mesure où, sous ce terme général-là, il y a toute une myriade d'identités de genre qui sont non cisgenres. Donc, le mot trans, c'est un préfixe qui vient du latin, qui veut dire au-delà. Donc, si on prend le terme transgenre, donc c'est au-delà du genre. On est transition du genre. Et c'est ça, être trans. Donc, moi, j'ai toujours préféré que je dise « je suis une femme ». Transgenre. C'est un terme qui va identifier autant une personne transsexuelle, une personne transgenre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a raccourci ce mot-là pour justement minimiser tous les préjugés qui ont rapport à ce mot-là. Si on s'arrête sur transsexuel, donc trans au-delà de ou un changement de sexe, donc relié vraiment juste à un organe génital. Il y a des gens qui vont jamais prendre d'hormones, qui vont jamais faire de grandes opérations et ces personnes-là ne sont pas moins trans pour autant. Le terme transsexuel ne fait pas l'unanimité aujourd'hui. Dans les 30-40 dernières années, le terme transsexuel était utilisé en psychiatrie. Donc, c'est un diagnostic en santé mentale. À proscrire de votre langage, s'il vous plaît. Le terme trans est un terme passe-partout. Donc, en général, les gens ne sont pas insultés par le terme trans, toujours utilisé sous forme, non pas de nom, mais d'adjectif. C'est vraiment un adjectif. On ne dit pas un trans, on dit une personne trans. Il y a aussi un petit parapluie en dessous composé de tout ce qui rentre dans le spectre de la non-binarité. Donc, on pourrait se dire, si quelqu'un est binaire, c'est soit homme, soit femme, donc deux éléments. Si on est non-binaire, ça veut dire qu'on ne veut pas cadrer dans ces deux éléments-là. C'est aussi simple que ça. La non-binarité, en fait, c'est une galaxie d'endroits où on peut se positionner au sujet de notre genre qui ne sont pas dans la binarité homme-femme. On est sur un spectre et on reste dans le spectre, tout simplement. Bing, bam, boum! Encore plus sur nouveau.ca.